Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Adobic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et on se retrouve pour un nouvel épisode. Rôle révélé, donc vous êtes la voyante bavarde, votre objectif est d'éliminer les loups-garous, vous disposez d'un effet Night Vision, de 4 bibliothèques et de 4 blocs d'obsidienne. À chaque début de journée, vous pourrez connaître le rôle d'un joueur à l'aide de la commande LG Voir. Donc on va faire déjà, on va commencer, LG Voir étoile. Hop. La voyante bavarde a spawné un joueur qui est simple villageois. Ok, alors du coup, on a LG MSG, c'est ça hein? Oui. En gros, en fait, le LG-MLG, MSG, pas MLG, MSG, permet de mettre un message au moment où je vais mourir. Et du coup, en fait, comme moi, je suis la voyante, je vais pouvoir faire N1, non, D1, donc Day 1, étoile, neutre. Voilà. Comme ça, je sais que étoile est neutre, et au moment où je vais mourir, si je meurs, les gens sauront que étoile n'est pas loup-garou. Mais je ne donne pas son rôle, comme ça, ça n'indique pas. Cette last will, en fait, va être visible pour tout le monde. Pour les loups et pour les non-loups. Et du coup, si je... Et d'ailleurs, j'ai reçu des bibliothèques, ça c'est cool aussi. Du coup, quand je meurs, je donne les infos des neutres. De toute façon, ça, les loups, ils le savent. Mais... Les villageois, eux, ne savent pas qui est quoi. Et du coup, en donnant cette information, j'aide le village. Parce que le but, au final, bah moi, vu que je suis villageois, en étant la voyante, ça va être de buter les loups, bien sûr. Donc chaque jour, je vais espionner une personne. Et c'est à ça que sert la Last Will. Et la Last Will, c'était une chose que... C'est moi qui l'avais proposé, la Last Will, en fait. C'est quelque chose qui est tiré d'une variante de loup-garou qui s'appelle Mafia, qui était disponible sur StarCraft 2, qui était vachement cool. Et du coup, là, ça permet justement la voyante bavarde. Moi, je peux dire... je crois que le rôle est reveal. Oui, le rôle, il est reveal au moment où on meurt. Du coup, les gens sauront que je suis voyante, que j'étais voyante. Et du coup, ils sauront que ce que je dis dans ma Last Will, c'était quelque chose d'important. Voilà, tout simplement. Bref, on continue avec l'or. Il nous faut le diamant maintenant, absolument. Ce que je ferai, c'est que si jamais je croise quelqu'un et que je fais équipe avec quelqu'un, je l'espionnerai. Je l'espionnerai. Sans lui dire que je suis la voyante. Moi, je dirais que je suis simple villageois. Parce que de toute façon, ce que j'ai reçu, c'est des bouquins. Enfin, des biblios. Et de l'opsy, donc ça passe. Ça passe. J'ai eu de la luck sur la recherche de bouquins, tout simplement. Encore un peu de ça. Par contre, j'aimerais bien du diams. Si j'ai 2 diamants maintenant... Ah, mais du coup, j'ai 3 diamants en plus, donc je peux me faire une épée en diams aussi. Vu que moi, j'ai déjà les 4 d'opsy, j'ai pas besoin de faire la pioche en diams. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bref. Comment ça va, les gens? Désolé, la coupure a peut-être été un petit peu nette sur l'épisode 1. J'ai pas vu que c'était la fin de l'épisode. J'étais à la bourre. Ok, alors attendez, on a un creeper là. Il y a de l'or, je l'ai vu, ok. Il y a masse de monde ici. Mais il y a masse d'or. Il y a un zombie derrière, je crois aussi. Ok, toi tu meurs. On a la vie, on n'a pas la vie des gens, ok. Ouais, il y avait bien un zombie derrière. Pas encore eu de kill, pas encore une mort. Ah, le villageois a perdu un de ses membres, Goddy, qui était simple villageois. Oh bah bravo Goddy. Ça y est, il y a un mort, bah il n'y a pas de musique. Alors c'est noté, il n'y a pas de musique. On peut pas parler, c'est vrai. On peut pas parler. Hop. Ça et ça. Ok. Juste vérifier, on a perdu quelqu'un d'autre ou pas? Est-ce que c'était écrit que j'étais amoureux? PP activé. Vous êtes voyant de bavarde, ça c'est bon. Vous avez 5 minutes pour espionner un rôle de quelqu'un. Espionner un joueur. Simple villageois. Ok. J'ai message. Ok. Non, c'est bon. Donc, je ne suis pas amoureux. Pour le rôle Cupidon, je vous rappelle un peu ce que c'est. En gros, il y a une personne qui peut choisir un couple. Et ce couple, si l'un des deux meurt, l'autre meurt également. Et si le couple n'est pas dans la même faction, c'est que le couple, en fait, doit survivre à la fin pour gagner. Donc, ils doivent éliminer toute leur faction. Enfin, tous les autres joueurs. Bon, diamant maintenant. Tout ce qui nous manque. Peut-être faire de la place d'inventaire. Je vais virer ce merdier, virer ça. On va aller voir par là, quoique non, là c'est d'où je viens, non? Oh, je sais plus, je suis perdu. Non, je suis pas venu ici. Je suis pas venu, et je ne sais pas à quel coup je suis, mais il n'y a pas de redstone, donc je vais être probablement trop haut. Yeah. PVP activé dans 5 minutes. Ah non, c'est vrai qu'il n'y a pas encore le PVP. PVP, c'est dans 5 minutes. Du lapis, donc je suis bel et bien pas passé par ici. Confirmé. Ok.
Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas besoin de manger maintenant. Du diams. C'est de l'or là? Non, c'est du fer. Combien j'ai de fer? 35. Ok, donc j'ai déjà l'enclume aussi. Villageois perdu un de ses membres. Jazur qui était chasseur. Oh, mais les mecs, quoi! S'il vous plaît, faites attention. Il n'y a pas, même pas le PVP, les mecs qui meurent de PVE. Une personne encore, ça passe. Mais deux, sérieux, ça fait beaucoup. Les mecs! Mais les mecs! Bon, faut que je redescende, moi. Que je redescende. Après, je dis ça, je vais finir par crever du PVE aussi, ça se trouve, mais. Please! Gaffez-vous, la moindre! Oh, bonjour! Au revoir! Ok, ici je suis pas venu, la grotte est belle. Il y a un petit lac de lave, mais je suis de toute façon trop haut. Il y a de l'or là-bas, je l'ai vu. C'est le squelette, je t'ai vu. C'est bon. Là, il y a rien, il y a un creeper là-haut. Viens ici, creeper. Viens ici, creeper. Non? Vas-y, viens. Allez, viens, je t'attends. T'es où? Putain, il veut pas, hein, le con. Il fait quitte. La chauve-souris qui aurait pu me faire une blague là. Ok. Alors, au niveau de l'or, j'ai 41 d'or. Il va falloir vraiment que j'aille choper des pommes. Et squelette. Au revoir. Faut que je descende. Pour le diam, s'il faut que je descende. Faut que je descende. Je peux descendre? Non, je peux pas descendre. Je peux pas descendre. Et je ne sais pas la couche. Mais je suis déjà venu ici, non? Ouais, il me semble que je suis déjà venu vu qu'il y a de la cobble. C'est fort probable que je sois déjà venu. Bon, bah on va retourner. Où est-ce que je pouvais descendre éventuellement? Peut-être par là? Non. On va remonter un bout et ensuite on va essayer de retourner à la grotte d'origine. J'avais pas terminé. Où elle est? Bon, du coup, vu que je suis pas loup, je sors pas tout de suite. Hein. Je ne sors pas tout de suite. Salut! Là-bas. C'est bon. Alors, voyons voir. Donc là, on a de l'obsidienne partout. Donc ici, je suis venu. Déjà, là en bas, est-ce qu'on a du diamant qui est visible quelque part? Non. Alors, essayez de pas oublier mon rôle aussi, hein. De pas oublier d'appliquer mon rôle. Au début d'épisode, je le ferai au début de chaque épisode, je pense. J'ai 5 minutes. Donc ça passe. Mais du coup, on a perdu deux villageois déjà. Je sais plus combien il y a de loups. Je sais plus combien il y a de loups. Il doit y en avoir trois loups normaux et un loup blanc, probablement. Peut-être, non, quatre loups normaux, ça me paraît beaucoup. Non, il doit y avoir trois loups. Merci pour l'arc. Oh, nice. Du coup, j'ai de quoi faire un arc en plus. Ouais, du coup, c'est ici que j'étais pas venu. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des bouts de grotte non explorés encore? Putain, l'Enderman, par contre, il me tente pas mal. Hein. Voilà. Je vais me faire une petite place ici. Parfait. Allez, meurs. S'il te plaît. Merci. Oh, pas d'Ender. Fuck. Pas d'Enderperle. Bon, là, on est d'accord, on est à la bonne couche. À tous les coups, on est à la bonne couche. On va miner. Mais je ne sais pas dans quelle direction. Je ne sais pas dans quelle direction. On va partir par là. Du coup, je pense que je vous ferai un cut ici. Ou un accéléré, je ne sais pas. C'est parti. Quoique là, je vais directement droit sur la grotte. On va partir par là-bas. Par là-bas. Ok, PVP activé en fait. Et comme vous pouvez le voir, il y a la distance au centre qui s'est affichée. Donc on voit que normalement, je mine à peu près dans la bonne direction. Parce que ça diminue. Voilà. Allez, je recontinue le minage. Bon, j'ai cru entendre quelqu'un, mais en fait, il n'y avait personne. J'ai continué de miner. Enfin, il n'y avait personne. Personne n'a répondu, en tout cas. J'ai continué de miner. J'ai continué de miner. Je vais y arriver. Et je crois, je dis bien, je crois avoir trouvé une grotte. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait fondre également mes gapples, que je vais mettre là, d'ailleurs. Tac, tac, tac. La bouffe ici. Ok. Je vais même mettre mon arc ici, tiens. Mais je crois qu'il y a une petite grotte par ici. Il y a du lapis aussi. J'entends de l'eau. J'entends de l'eau. Donc il doit y avoir du quelque chose. Non, c'est bien par là. Ok, c'est bon. J'ai quelque chose.
Mineshaft, qui a l'air d'être pas très haut, donc niveau hauteur c'est parfait. Oula, oula, là j'ai fait un peu le fou. On va espérer ne pas se faire empoisonner comme dans l'UHC, Espagne, n'est-ce pas? Après, là l'avantage c'est que j'ai déjà deux gapples, ce qui est bien. Ok, on a déjà un coffre là-haut. Un diamant, ok, il m'en manque un pour la table enchante. Je vais faire si je vais péter ce truc. Voilà. Et attention, attention. Lapis. Oui, et du coup. Hop. Aussi un petit peu, on va pouvoir se faire un arc P3. Ça va être intéressant. Intéressant, n'est-ce pas? C'est un coffre? Non, c'est pas un coffre. Par contre, on va peut-être explorer la faille d'abord. Il te fait vu qu'elle a l'air d'être à bon. Oula, il y a du monde là. Il y a du monde, bonjour. La faille a l'air d'être à bonne hauteur. On va ramasser l'or et ensuite. Après, je suis au bout de la faille là. On va peut-être aller voir de l'autre côté. Allons voir de l'autre côté. Barrez-vous, araignées. Barrez-vous, tout le monde. S'il vous plaît. Foutez-moi la paix. Oui, ça, c'est le coq que j'ai pété. Allez, un diams. Un seul diamant. Et j'ai la table d'enchant. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit. Encore un peu de lapis. C'est très très bon ça. Très très bon. Une grotte à gauche. On va aller mineshaft. On va aller explorer le mineshaft. On va bien avoir quelque chose d'intéressant, non? Quand même. Alors, voyons voir. Voyons voir. Oui, encore un petit peu de ça. Et ça. Merci. J'ai quand même l'impression d'être un tout petit poil trop haut pour le diamant. Bon, écoutez, on va explorer, on va bien se trouver des coffres aussi avec un petit diamant dedans. On a déjà trouvé un petit deuxième, ce serait facile. Facile. Combien j'ai de... J'en ai 10. J'ai monté à 12. Voilà, j'en ai 12. Et il y a encore plus bas. Donc il y a encore plus de chances d'être à la bonne couche. De l'or, oui, on prend toujours. Si on peut se trouver des pommes aussi dans les coffres, ce serait le bienvenu. Parce que là, on a tellement d'or. C'est vrai que je vous ai pas montré ce que j'ai trouvé pendant que je minais. En gros, j'ai 37 d'or plus 5 fondus plus déjà 2 gapples. Ça va. Ça va. Mais. Oh oui! Ok. Et du coup, je pense que ma limite. Ok, fuck. Fuck you, toi. Je vais me faire la table d'enchant. Ah, mais oui, mais en plus, j'ai les 4 biblios. Donc, je peux faire des enchants de fumée. Je peux faire des enchants de fumée. Du coup. Livre. Hop. Et j'ai en plus masse de livres à enchant. C'est nice, ça. C'est méga nice. Alors attendez, déjà je vais prendre un peu plus de blocs. J'ai plus de blocs sur moi. Prendre ça. On va les fermer là parce que ça me. C'est déjà fermé? Ouais, c'est déjà fermé, ok. Attendez, alors juste avant de m'enchanter. En fait, je vais peut-être même pas m'enchanter avec les biblios tout de suite. Je vais voir si je trouve un petit peu plus de diams. Voir si je trouve un petit peu plus de diams pour me faire le plastron. Et du coup, ouais, je dois pas avoir la limite de diamants, donc je pense miner un diamant en plus. Ouais, il y a des araignées de partout. Je vais. Bah, de toute façon, pantalon, bottes et casque, je pourrais pas faire en diams. Donc, autant faire déjà les biblios maintenant. J'ai assez de bois pour le refaire. Pour refaire au moins une fois mes biblios. 6 pour une biblio. Ouais, ça passe. Voilà, alors du coup. On met table d'enchant. Là. Biblio. Là. Alors, voyons voir déjà l'épée. Sharpness 2 pour 11 levels. Je prends. Il me reste 13 levels. Donc, on dit pantalon.
Unbreaking 2, Fire Protection, non. Hop, le plastron, je vérifie quand même. Ouais, il y a protection 2 déjà sur le plastron, ça m'intéresserait pas mal. Mais non. On va essayer les bottes. Proche prot 3. Oh putain, mais c'est pas dégueu ça. Le problème, c'est que ça nous fait pas de protection, la proche prot. Inspiration, proche prot, protection. C'est très moyen. Très très moyen. On va se refaire une épée. Tac. Tac. Qu'est-ce que je vire dans ce merdier? Qu'est-ce que je vire dans. Là, les rails. Tac tac. Ah putain, Fire Aspect et je peux pas le prendre. Merde! Et ici, Sharpness 2. Ok, ouais, c'est bon, merci. Je vais poser les fours, on va faire fondre tout le merdier que j'ai. Alors, 37 d'or ici. Fin d'épisode 2, au revoir les gens! Au revoir!